Je suis toujours seule chez William. Ma meilleure amie me manque, Jessica, car nous avons gardé contact avec moi. Je suis aussi allée à l'université, mais mon père a un ami nommé Alejandro et c'est mon parrain, et Jessica est ma meilleure amie. Parce que ce qu'elle a fait, Donia, cette lâche est inutile. Capturons les souvenirs de Donia. Cette Donia est née au Japon et son père est maghrébin nord-africain et sa mère est japonaise. Donia n'avait que 3 ans, elle était sympa au Japon mais aussi, elle a une amie maghrébine et elle commence sa religion du musulman et du Shinto. Donia n'avait que 7 ans, elle a quitté le Japon et commence à vivre aux États-Unis dans l'état d'été de la Floride. Maintenant en 2020, Donia n'avait que 21 ans, mais bientôt le 9 septembre 2020, elle va avoir 22 ans. Mais pendant longtemps, elle est la criminelle qui a répandu un tyran avec Jessica depuis le lycée, depuis qu'elle a été renvoyée du lycée. Mais en décembre dernier, Donia tente de tuer ma meilleure amie Jessica et son cadavre est emmené dans son cercueil par les funérailles. William a commencé à pleurer à propos de la mort de Jessica et soudainement à la mort finale, Jessica a été enterrée et Donia est finalement arrêtée mais pas encore, Donia sera exécutée jusqu'au 10 avril 2020. Et puis, racontons mon histoire, quelles années ils viennent de passer. En 2013, moi, j'ai fini l'école et aussi ma meilleure amie, elle a dû finir jusqu'à l'obtention de son diplôme. En 2014, je suis allée voyager au Japon pour l'occasion de la première. En 2015, je n'avais que 22 ans mais pas des moindres, Jessica venait d'avoir 17 ans jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme. En 2016, Jessica vient de grandir, elle se joint à moi et a commencé à styliser des mannequins. Nous venons de commencer à New York, Miami, Californie et Londres. Pas moi en finale, Jessica a commencé première à New York pour les femmes depuis 2017 et pas en finale, je remportais le prix et Jessica vient d'éliminer. Jessica, tu me manques tellement. Overcomplicate. People tell me to medicate.